dans le centre médical. T'es en communication? J'y suis, mais c'est trop tard. Apollo s'est remis de la purge et vient de reverrouiller les communications externes. Merde. Pourquoi tu m'as envoyé ici? Plan B, Rip. Avant que je parte, les systèmes ont montré un vaisseau en approche de Sébastopol. Je pense que c'est la Nessidora. Marlo a réussi à envoyer ses codes de pilote auto pour le ramener pendant que les coms ont été temporairement rétablis. Faut qu'on y aille. Il est amarré? Non, mais il est en stationnement pas loin. Dirige-toi vers la baie des ambulances. Les navettes sont pour les courtes distances. Mais ça peut le faire. Ok. J'ai eu un lancement. Marlo a pris une des navettes. Wait, c'est après. Faut tout le bordel ici.
vais vous attraper. Ricardo, tu m'entends ? À peine. Rip, tu te déplaces hors de portée. J'ignore combien de temps la connexion va tenir. Thank you.
l'extérieur de Sébastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. Elle avait l'air éprouvée. Mix et moi sommes sur le point de prendre la navette vers la station. Mais je crois que ça implique de briser les procédures de quarantaine, non? C'est le vaisseau de Marlowe. C'est la femme de Marlowe. Les choses ont un peu dégénéré et Mix s'est pris un pain. Donc, je sais pas. Peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Mais si c'est un truc pas clair quand on pose le pied à bord, je n'ai rien à voir à faire là-dedans. Marlowe fait trop peu pour ce genre de plan. Cardo, si tu m'entends, j'ai remis les systèmes d'énergie et de base de la Messidora en ligne. Les portes devraient s'activer, peut-être les lumières. Aucun signe de Marlowe. Salut, Ripley. Je te souhaite la bienvenue à bord de la Messidora. Marlowe ? T'es où, Marlowe ? Merci d'avoir remis le courant. Tu m'as évité d'avoir à le faire moi-même. J'avais juste besoin d'être hors ligne un petit moment. J'avais quelques réparations à faire de mon côté. J'ai du mal à joindre les deux bouts. Et la Nessidora commence à ressembler aux épaves qu'on explore. On peut pas dire que le dopage ait fait mieux. Et puis on a trouvé cette boîte noire. Elle appartient à un vaisseau, le Nostromo. Propriété de Wayland Newton. Ce qui veut dire qu'il y aura une récompense. Mais Marlowe a eu une idée encore meilleure. Déduire la trajectoire de la boîte noire pour essayer de remonter jusqu'à l'épave du Nostromo. On a eu du bol. On est tombé sur un signal de détresse et on le suit en ce moment. L'heure est venue. Je le sens jusque dans mes tripes. Il ne me laissera pas tomber. Il l'a toujours dit. Tu veux peut-être rejoindre mon équipage? Il reste encore pas mal de places de dispo. Ripley, Marlowe m'a appelé. Il avait promis de te donner toutes les infos qu'il avait sur la création pour que je les rapporte à la compagnie, mais... C'est là! Marlowe, qu'est-ce que tu fous? Ce que personne n'a les couilles de faire. T'as qu'à venir me chercher, Ripley. J'ai quelque chose pour toi. Anessidora, ici le Marshal Waite de Sébastopol. Officiellement, je devrais refuser votre demande d'amarrage. Sébastopol est actuellement en cours de mise en service. Et je ne peux pas compromettre la sécurité pour des vaisseaux impromptus. Ceci étant, compte tenu de la propriété que vous avez récupérée, j'autorise un petit nombre de votre équipage à aborder via une navette à courte distance. Je dois vous rappeler que Sébastopol se réserve le droit d'annuler toute récompense liée à la restitution de ladite propriété une fois sur la station. Tenez-moi au courant de votre décision. Waits, terminé. Faire, c'est refuser le combat. Faut effacer toutes les traces.
Détruire toutes les preuves, arrêter la propagation de l'infection, s'assurer que l'espèce humaine soit plus jamais en contact avec cette chose. Plus jamais, parce qu'à la minute où elle entre en contact avec nous, elle a gagné. La compagnie ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Personne ne saura. Je ne le permettrai pas. Nouvel enregistrement. Message personnel. Ceci est pour ma fille. Coucou Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie, j'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois, j'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et... on a trouvé... Une créature extraterrestre, vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Je devais tout faire pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre qu'on se verra très bientôt. Je t'aime, ma chérie.
Super. Tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Tu le vois? Je ne tombe pas. Il y est. Fais-moi confiance. C'est ça. Ricardo. Ripley, l'explosion a bousillé les stabilisateurs orbitaux. On est sur le point de plonger dans le vide. J'essaie de contacter le Torrens, mais les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance où tu t'es amarrée est niquée. Le Torrens est notre seule chance de sortir. Le message de Verlaine a été mis à jour. Allô, Sébastopol, vous m'entendez? On vient de voir un vaisseau exploser à votre tribord. Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui se passe là-dedans. On peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminée. Thank you.
Essayez d'écouter le moindre mouvement. Il pourrait être n'importe où.
C'était quoi ça? Observatoire près des coms, non? Ouais. Tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrens avec ça. Je t'ouvre la porte. Stabilisateur orbito opérant à 40% avant chute.
le verrou. Laissez encore. Il y a un vaisseau là-dedans. Apollo me refuse l'accès. Laissez tes codes encore une fois. Ok, d'accord.
verrouiller l'entrée du SAS d'ici. Une seconde. Là, c'est bon. Thank you.
La merde, Torrens. Il y a un organisme alien ici. Mortel. On a besoin d'une évacuation d'urgence. Un quoi? Pas le temps d'expliquer. S'il te plaît, Verlaine. On a nulle part où s'arrimer, Ripley. Et la station commence à se détacher de son amarre gravitationnelle. J'ai vu une plateforme de remorquage sous le terminal de décollage. Mais le cordon ombilical du Torrens n'est pas conçu pour. Faut que tu déploies les pinces de la plateforme de remorquage côté station. Mets-toi en position. Thank you.
m'entends? Virgo, réponds. Et attendre des instructions.